He got some money in his pocket now. He's not begging now. He's selling now. I feel very good about that. Many people now used to see, you would think, oh man, look at them, they're bad people. They were me now. God bless me to go get your people. If nobody else want to help them, you go get them. I blessed you with the idea. I didn't charge you money. He blessed me with the idea. It actually works. So coming here, somebody's going to get the same thing. Wait a minute, I don't have any money. How am I doing it? And that's what? Time. Research, calling, Google. You know, Google, how much for this, how much for that? Talk to uncle, go to teacher, policeman, the president, the king, whoever. I have idea. I need help with my investment. It starts with you. Donc, il dit que au tout début, ce n'était pas facile, ce n'était pas simple parce que un noir développer un produit comme ça aux États-Unis n'est pas quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Donc, lui, son rêve, c'était vraiment d'avoir l'idée, avoir le produit et aider. Parce que quand il voit quelqu'un qui n'a pas de chaussures, quelqu'un qui n'a pas d'habits, quelqu'un qui n'a pas à manger, ça ne lui plaît pas. Et il a Dieu l'a béni, Dieu lui a donné l'idée, il a développé l'idée, et grâce à ce produit-là, il y a certaines personnes aux États-Unis qui n'ont plus besoin de quémander, qui n'ont plus besoin de dormir dans les rues, qui n'ont plus besoin de se promener sans chaussures. Et c'est le même rêve qu'il a pour nous, les jeunes, au Burkina Faso. Parce qu'il a eu à circuler aussi dans la ville avant de venir. Il y a des enfants qui se promènent sans habits, sans chaussures. Et l'eau du puits n'est peut-être pas purifiée et c'est pas ça a des conséquences. Et il dit que rien que dans cette classe, certaines personnes peuvent avoir ce même rêve, cette initiative. Donc lui, il est prêt à investir parce que quand nous allons commencer à nous développer, nous pourrons, dans un premier lieu, s'occuper de nos familles et aussi se développer au niveau où on peut même aider la vie, développer la vie. Et pourquoi pas le pays? Donc c'est son rêve. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il a choisi de venir au Burkina Faso. I would like another thing. I did not graduate high school and I did not go to college. I just have so many ideas that I started to choose the different ideas to make a way for me and my family. And I began to invest my time and my talent. But as I make any money, I put it back to continue. I had a vision. This is a vision I had. It's called the Independent Gang CEO Manual. I wrote every word. I put my heart into this to help educate the young people in America so that they can do this too. I would like to give this as a gift and have it translated, and we will print them up to give to to this school. Donc, il dit que lui, il n'a pas de, comme ce qu'on appelle ici le bac, il n'a pas de bac, il n'est pas à l'université. Il a juste eu plein d'idées et il a eu l'opportunité et la sagesse de développer les idées les plus importantes pour pouvoir se construire une richesse qui pourrait le rendre indépendant, qui pourrait lui permettre aussi de vivre une vie normale. Et à l'issue de ça, il est arrivé à
écrit ce journal où il explique vraiment les bases, les étapes pour un succès. Et il est prêt, ça c'était déjà pour les jeunes entrepreneurs américains, et il est prêt à offrir ce produit-là aux élèves de l'IAM, et on va les traduire